Nos profs nous donnent tout un tas de livres à lire, j'ai pas le temps pour ça et j'aime pas lire mais je suis obligé. Aurais-tu des trucs pour lire plus vite ? Bonjour Mélanie. Bon, c'est vrai que lire des livres imposés par le prof, c'est pas toujours évident, surtout si les sujets abordés ne te font pas kiffer. Mais rassure-toi, il existe des astuces pour lire plus vite et retenir ce que tu lis. Mais par contre, il faudra lire un peu quand même et t'entraîner un peu tous les jours pour que ça fonctionne. Mon premier conseil pour toi, ne fonce pas tête baissée dans la lecture de ton livre. Tu risques de te décourager avant même d'avoir commencé. À la place, prépare-toi avant de savoir ce que tu dois chercher dans le texte. Commence par lire tout ce qui peut te donner quelques idées sur le texte, comme par exemple la quatrième de couverture. Tu sais, c'est le résumé au dos du livre avec une présentation rapide de l'auteur. Tu peux aussi aller regarder l'avant-propos s'il y en a un. L'auteur fait une synthèse de ce qu'il y a dans l'ouvrage. Du coup, tu sauras d'emblée ce qui est important et ce sera plus simple pour toi de cibler la lecture. Ensuite, tu peux aller piocher des informations sur Wikipédia ou sur d'autres sites internet pour savoir de quoi parle le livre. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de sélectionner des passages du livre que tu dois lire en priorité. Commence par le début du livre. Là, tu vas lire entièrement les premiers paragraphes, voire même les 5 premières pages pour découvrir le style de l'auteur, l'intrigue, le nom des personnages principaux, etc. Et ensuite, tu vas aller directement à la fin du livre. En vrai, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais ça va te permettre de voir entre le début et la fin vers où l'auteur veut aller. Normalement, tu vas tout de suite avoir la réponse sur le dénouement de l'intrigue. Un peu comme si tu te spoilais. Après, tu vas feuilleter quelques pages du milieu pour avoir plus d'informations plus précises sur les lieux, sur les personnages, sur l'histoire en général. Et pour que ça soit plus efficace, regarde le début et la fin de chaque chapitre. Mon troisième conseil, c'est de lire ton livre en diagonale avec ton doigt ou avec un stylo pour te guider. Le but, c'est de t'arrêter aux mots-clés. Normalement, ça suffit pour que tu puisses tout comprendre sans avoir à tout lire. En gros, tu lis le début de chaque paragraphe et ensuite quelques mots du paragraphe, puis la fin de la phrase. Par contre, fais attention au contresens. Normalement, ça ne devrait pas arriver si tu as bien suivi toutes les étapes dans l'ordre. Mon dernier conseil pour réussir à améliorer la vitesse de lecture, c'est de lire régulièrement. Tu ne pourras pas y échapper. Entraîne-toi en essayant de lire régulièrement une quantité minimum de pages par jour. Lance-toi des défis, par exemple, tu peux décider de lire chaque jour 20 pages d'un livre en une demi-heure et ajuste selon que tu arrives à le faire facilement ou pas. Voilà Mélanie, j'espère que ces conseils vont t'aider et que tu vas réussir à lire plus vite. Rappelle-toi, l'important, c'est que tu lises tous les jours jusqu'à ce que ça devienne une habitude et plus une corvée. Allez, je te souhaite bon courage !